Yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Zada et aujourd'hui on se retrouve donc pour découvrir donc le jeu Ruined King de League of Legends, donc de Riot Forge justement, donc le nouveau jeu qui est sorti il y a quelques jours sur Steam et sur toutes les consoles, sur donc l'histoire de Viego, donc le roi déchu, justement. Donc on va partir pour découvrir cette histoire. Bilgewater, les monstres existent. Quand j'étais enfant, ma mère a été assassinée par un lâche nommé Gangplank. Il m'a tiré dessus et m'a laissée pour morte. Il n'y eut aucun procès. À Bilgewater, la loi, c'était lui. Je l'ai chassé. J'ai tué ses hommes. J'ai regardé Gangplank mourir, emporté par la marée rougeoyante. Gangplank. Mais les monstres n'ont pas disparu. Des siècles durant, les bourreaux ont protégé ces îles contre les pires spécimens. Mais même eux craignent les nuits de l'horreur. Ces attaques prennent la forme d'une brume noire, perpétrés par les morts vivants des îles obscures. À chaque attaque, les nuits de l'horreur se renforcent et les bourreaux deviennent distants. Pour nous, la réalisation de prière et la magie encore en temps. Normalement, ça devrait. Les monstres sont faits de chair et de sang. Il n'y a qu'une chose qui m'effraie. Devenir l'un d'entre eux. Ok. On est au domaine de Miss Fortune, du coup. Chaque point de volonté au chrono. Bon, on est dans le tuto, du coup, on va apprendre un peu les bases du jeu. Voilà. Vraiment très beau, le style Bridgewater. J'aime bien ce décor, franchement. Tout semble si calme vu d'ici. Si seulement. Donc bien évidemment, donc c'est du jeu au tour par tour, hein, justement, un jeu d'action au tour par tour. Bonjour, capitaine. Votre invité est arrivé. Rafen, te souviens-tu du bon vieux temps? On pouvait payer ce qu'on voulait et naviguer où on désirait. Regarde-nous maintenant, à prendre des rendez-vous, à jouer les diplomates. Au moins, nous pouvons toujours utiliser nos armes. Peut-être bien, mais quand il était roi des pillards, Gangplank réglait tout par la poudre. Si j'unis les gangs par la violence, la ville me verra-t-elle toujours comme leur sauveuse? Oh, Gangplank était un tyran, Sarah. Tu es forte, pas cruelle. Je suis fier d'être ton second. Le reste de l'équipage est fier de t'appeler capitaine. Les gangs te suivront. Ce n'est qu'une question de temps. Ils ne me suivront pas s'ils sont morts. J'espère les faire changer d'avis avant que cela n'arrive. Parfois, il faut savoir être ferme. Ben, ne faisons pas attendre le capitaine Thorne plus longtemps. Allez, c'est parti. Thank you.
Excusez-moi, hein, je suis en train de faire le réglage. Miss Fortune. Capitaine ? Les balles sont toujours en moi. Tuer Gangplank n'a pas suffi, Raffen. Mais tu l'as vaincu. Tu vis, et lui repose au fond de l'océan. Ces balles ne sont qu'un petit rappel de tes épreuves. Elle me la rappelle un peu trop. Je vois que vous avez refait la déco. Cet endroit avait besoin d'une touche féminine. Je ne pense pas que l'ancien propriétaire s'y opposera. Ne risque pas, vu comment vous l'avez abattu, lui, et le reste du conclave. Vous n'êtes sûrement pas venu ici pour parler décoration, capitaine. Avez-vous réfléchi à mon offre ? Votre offre ? Je devrais vous confier toutes mes opérations, ainsi que ma flotte et mes hommes. Oh, Fortune, vous avez peut-être tué Gangplank et volé ce manoir, mais ça ne fait pas de vous ma reine. Parler là, j'ai bien l'impression que Bilgewater n'a toujours pas de véritable régent. Laissez tomber. Je ne voudrais pas abîmer un si joli visage. Tant pis pour la diplomatie. Ouais, en fait, Raffen, je commence à bien... Les pourparlers ont échoué. Maintenant, on fait parler la poudre. Ok. Là, ils expliquent le système de combat, donc en fait, vous avez des jauges, justement. Les personnages vont défiler et agir à chaque fois. Thank you.
mauvaise fortune en fait, elle a un passif quand elle tire, quand elle fait une attaque en fait, voilà, elle applique les dégâts et les marques en fait, voilà. Génère inflige 50 points de dégâts et applique marque de cœur volage, donc voilà, je vais faire. Généralement c'est très précis, hein, à moins qu'on fasse des coups critiques. Et donc là par exemple, là que j'ai la marque du cœur volage, ben là, là en fait normalement je lui inflige 150 points de dégâts, mais comme il a la marque, ben, je vais lui infliger plus de dégâts. Justement. Et donc là en fait, un temps de cast. Je prends ceci comme une reddition. Le syndicat ne te suivra jamais. Donc voilà. Hey. Je préfère mourir, despote. Je vois. Qu'en est-il de vous, les garçons? Suivrez-vous votre capitaine? Non. Eh bien, capitaine Thorne. Ces pourparlers sont terminés. Voilà. Le reste d'entre vous, bienvenue. Prouvez votre loyauté et vous serez récompensé. Tentez de me trahir. Oui, capitaine. Vos recrutements rondement menés, et presque sans accroc. Nous possédons tous les biens du syndicat désormais. Mais aucun de leurs chefs. Pas encore. Même si je dois tuer tous les capitaines, du chantier naval jusqu'au quai abattoir, je leur ferai comprendre. Beachwater appartient à Sarah Fortune. Of course. Raphaël ? Allez, hop, une bête à la brume. Alors, prenez garde, cet ennemi possède un effet bénéfique appelé bombe de brume amorcée. À sa mort, il explosera et infligera des dégâts à votre équipe, à moins que vous n'ayez désarmé cet effet en utilisant une compétence sur la voie de la célérité. Quand vous sélectionnez vos compétences de voix, vous pouvez passer de la voix d'équilibre, la voix par défaut, donc la voix du milieu ici, à la voix de la célérité ou la voix de puissance en utilisant les touches voix supérieure et voix inférieure. Utilisez une compétence sur la voix de la célérité, diminue son temps d'invocation, il faut prendre le temps pour l'exécuter, mais son impact est inférieur. Contrairement à la puissance, où là, si on augmente son temps d'invocation, il faut donc plus de temps pour l'exécuter, mais son impact est supérieur. Ben j'ai pris aucun dégât. Il n'a pas explosé sur moi.
Donc je trouve ça la mécanique vraiment, une vraie mécanique vraiment intéressante pour le coup. La brume noire. Mais comment c'est possible? La brume noire est de retour. Cela a créé une zone d'aléa sur la joueuse d'initiative qui se déplace en même temps que les points très combattants. Les combattants de votre équipe se trouvent à l'intérieur de cette zone seront ciblés. Une fois que la zone est à l'extrémité de la joueuse d'initiative, les effets de l'aléa expliqueront à tous vos combattants présents ciblés. Maintenant, vous pouvez changer les compétences de voix pour changer de voix et vous mettre à... Ok. Le critique que j'ai mis là. Ah, c'était beau ça. C'est vraiment bien franchement cette compétence. Et voilà. Merci beaucoup.
Raffen, que s'est-il passé? Fuyez! Laissez-moi! Oh putain, je suis mort comme ça. C'est pas grave. Raffen ?
Raphaën, que s'est-il passé ? Fuyez ! Sarah... Ne parle pas. Économise tes forces. Je pensais qu'on s'en était débarrassé à Port-Cri. Est-ce... une nouvelle nuit de l'horreur ? Je ne sais pas. Mais si ça l'est, nous avons besoin d'Ilaoi. Ah. Allez, faisons appel à Ilaoi. La prêtresse du Kraken. On va aller sur les quais abattoirs. Ah ben dis donc. En tout cas, j'aime beaucoup l'histoire. Elle est vraiment très intéressante. Frères et sœurs, un nouvel ennemi est apparu à Bilgewater. C'est la déesse Naga Kabouros qui me l'a montré. Apôtre de la vérité, montrez-le-nous. L'éventreur des abysses massacre des hommes chez eux et dans les rues. Il incarne la peur et l'inertie. Nous honorerons la mère serpent en le chassant et en restaurant le mouvement. Béni soit la déesse. À
apôtres, je veux combattre à vos côtés. Je suis prêt. Es-tu prêt? Bats-toi avec tout ce que tu as, et la mère serpent te jugera digne. Si tu ne l'es pas, alors tu perdras la vie. Je me plie à sa volonté. Fort, prêtresse, il peut vivre. Si tel est le souhait de la déesse, viens, notre ennemi nous attend. Ses rues sont pleines de mouvements. Nagakaburos nous sourit. Pourquoi acceptez-vous ces étrangers, prêtresse? Les Pailangis ne respectent ni la déesse, ni les traditions Bourou. Ils créent leur propre voie et se battent pour vivre. Marche, apprends à leur côté. Amuse-toi même. Ils ont de nombreux désirs intéressants. Je t'ai vu t'amuser dans leur taverne, ma sœur. N'aie pas honte, je te rejoindrai la prochaine fois. Ok. Bien, suivons maintenant le rythme des C'est coups. Quoi ces discours, sérieusement, punaise. Ici, les hommes à l'intérieur ont mentionné le tueur. Nous attendrons dehors. Pas besoin de nous approcher des Pailangis. Ça en fera plus pour moi. Allez. Ah, Ilaoi. Donc là, c'est une espèce de tank et soigneur à la fois. Donc voilà, des compétences de soutien. Je m'interroge. Petit homme, dis-moi. Qu'il demande? Je suis Ilaoi, apôtre de la vérité de Nagakaburos et championne du peuple Bourou. Bien sûr. Et moi, je suis Tamketch, le roi des rivières. Par toi, je serai mon fossé. La référence à Tamketch. Peut-être qu'une petite... Désolé. J'ai... Alors... Tu vois cette épée? J'ai tué... Ouf. Allez, boum. Mmh. Bagarre de taverne! C'est parti! Tout est en mouvement. Alors. Inflige 10 points de dégâts, génère 10 points de survivotage, 50% de chance d'invoquer un tentacule. Ouais! J'ai un tentacule! Et puis là, si tu frappes carrément. Allez, on peut en invoquer plusieurs, ça c'est cool. Sympa la musique. La petite ambiance taverne là qui fait bien plaisir. Alors, voyons voir. Ils ne stagneront plus. On a vu
ça va être des adorateurs de Pike. Donc bien sûr les ventreurs des mers, je pense que ça va être lui qu'on cherche. Allez hop, 2. Allez, Ilaoi. 180, 180, endurance 18, puissance d'attaque 23. Ok. Nouvelle compétence, brume médicinale, rend 39 points de vie à tous les alliés. Ok. Donc elle a beaucoup de compétences. Bien sûr, elle a beaucoup de compétences. C'est tout ce que tu as. Voilà. Ce n'était que l'échauffement pour moi. Dis-moi tout sur l'éventreur des abysses. Personne ne l'a jamais vu. Il paraît qu'il arpente les allées du Dédale. Il ne serait pas réellement vivant. Pas vivant. Sa peau redoute. Une créature piégée entre la vie et la... Il a une dent contre les capitaines. Trop vite. Merci, petit homme. Merci, petit homme. Tu veux rester un peu? Je n'ai jamais bu avec une prêtresse. Bah dis donc, mais c'est quoi ça? Ok, bon, allez, on va avancer. Nous avons entendu du bruit. Oui, c'était juste... Mes nouveaux amis Paelangi voulaient juste en savoir plus sur les traditions bourrues. Bon, allons au Dédale. Je me suis fait des amis. Ok, donc j'ai un groupe de deux, donc carte du quartier affiche le point du quartier et les principaux centres d'intérêt. On opération des points coffres et points de... obscur ne se trouve plus très loin. Après des années de recherche, je me rapproche du panorama parfait. D'après ma petite enfance, j'ai toujours désiré prendre un village unique au monde et les ruines des îles bénies, enveloppées de spectres et d'esprits et jonchées de morts vivants. Bah dis donc. J'ai voyagé dans Tourvalorant et traversé les océans et les plus sombres pour me retrouver ici. Je mettrai mes talents à l'épreuve sur ces décombres mélancoliques, mes pinceaux triomphants de ces fantômes. Mes toiles seront des œuvres d'art contemporaines, encore plus rares que et plus précieuses que n'importe quel portrait d'un Jarvan. Les aristocrates démaciens se battront pour exposer mes tableaux, puis ils seront reconnus dans le monde entier. Ok, donc ça, à mon avis, ça doit être un artiste démacien qui a voulu en effet s'aventurer sur les îles obscures, mais qui va vite déchanter, je sais pas si vous voulez ce que je veux dire, parce qu'il va se faire happer par la brume. Comme petite référence à Jarvan, enfin Jarvan 4, vraiment sympa. Je les ai affaiblis avant que le combat ne commence. Ok. Vous avez beaucoup de dispositifs de compétences de purification. Vous pouvez assez consommer une touche de purification. Ok.
Tu vas saigner. Terminé. Là en fait vous voyez en activant donc espace, vous voyez j'ai une petite flèche là, qui est visible et donc du coup en fait si j'ai un ennemi dans le donjon qui veut s'attaquer à moi, ben, je peux l'activer et du coup en fait ça va, c'est moi qui vais initier le combat justement. Là par exemple je l'ai engagé, donc voilà ils sont affaiblis. Ils font face à un apôtre de la vérité. C'était un combat. Je ne suis pas patiente. Personne ne devrait l'être. Et voilà. Amélioration de compétences déverrouillées. Super. Ça, j'en assure. Je n'ai pas donné. Les marins de Bijouator ne s'approchent pas volontairement des récifs bondis. Les chasseurs de trésors, voulant se prendre sur les îles, paient plutôt un voyage vers les postes d'approvisionnement près de l'archipel. Ils apportent leur propre skiff et les archers utilisent pour naviguer près d'eux, par eux-mêmes dans l'abondement des îles. Je n'ai pas d'autre choix que de suivre le mouvement et payer par conséquent des taux de chasseurs de trésors. Le navire qui m'a amené ici, qui est un sang comme il l'appelle, m'a coûté plus cher que ma dernière commande à Démacia. J'ai décidé de rester une semaine à l'auberge pour apprendre à naviguer sur un skiff. C'est très épuisant, mais au moins je peux admirer les paysages singuliers. Je
j'essaie de rester positif, tout va bien se passer, c'est la bonne attitude à avoir. Ouais, tout va bien se passer. Tu vas juste te faire enlever par la bombe noire. Anneau et reliques. La combinaison des équipements est cruciale pour les statistiques générales du champion et sa puissance. La puissance d'attaque mesure la puissance d'un champion, améliore l'efficacité des dégâts infligés, des soins et des boucliers. Chaque point de volonté accroît 10, octroie 10 points de mana. Okay. Chaque point d'endurance octroie 5 points de vie. La défense physique réduit la quantité de dégâts physiques subis, défense magique, les dégâts magiques subis. Les dégâts critiques représentent la quantité de dégâts supplémentaires qu'un champion inflige lors d'un coup critique. Critique augmente la valeur de coup critique, améliore les chances de un champion d'effectuer un coup critique et ainsi d'infliger des dégâts supplémentaires en attaquant. Au fur et à mesure que le niveau d'un champion augmente, une valeur de coup critique inférieure est nécessaire pour atteindre 1% d'amélioration. Les chances d'un champion d'esquiver une attaque et ainsi de ne pas recevoir de dégâts. Au fur et à mesure que le niveau d'un champion augmente, la valeur d'esquive supérieure est nécessaire pour atteindre 1% d'amélioration. Et le vol de vie. Donc on a. Okay. Voilà. Désolé, mais l'idole de Boro est beaucoup plus puissante. On prend 56 de dégâts, 6 de dégâts, 6 de défense physique et 12 d'endurance. J'ai 48 de dégâts, 8 d'endurance, dégâts supérieurs, 8. Alors, compétences. Les champions disposent de compétences utilisables en combat et pendant l'exploration. Les compétences utilisées en combat pendant ces incours. Un nombre de cibles et une vitesse d'incantation. Les compétences instantanées passives et de voix peuvent être renforcées grâce au point d'amélioration dans le menu correspondant. À mesure qu'un champion augmente de niveau, il obtient des nouvelles compétences, ce qui découvre d'autres possibilités stratégiques en combat. Les compétences de donjon actives ne s'utilisent qu'au cours de l'exploration, elles n'ont aucun coût en mana et déclenchent un combat si elles touchent les cibles ennemies. Déclencher un combat à l'aide d'une compétence de donjon offre divers avantages en fonction du champion. Certains impliquent les mêmes des effets néfastes aux ennemis en plus du coup. Les compétences de donjon passives offrent aux champions une capacité d'exploration unique qui vous permet de dégager des voies, découvrir des secrets ou obtenir des récompenses. Faites preuve de créativité avec les compétences des champions pour survivre face aux dangers du monde. Les améliorations de compétences se débloquent à l'aide de points d'amélioration. Chacune d'elles applique un effet supplémentaire qui altère les capacités de la compétence. Les améliorations sont divisées en paliers et deviennent disponibles à mesure que le champion monte de niveau. Chaque palier est composé de deux améliorations, mais il n'est possible d'en activer qu'une seule à la fois. Donc il faut bien choisir. Voilà. L'activation d'une amélioration permet d'accéder à celle des paliers ultérieurs. Vous pouvez désactiver une amélioration à tout moment pour récupérer un point. Cependant, cela désactive également toute amélioration présente dans un panier lié à celui de la compétence désactivée. Alors, le nombre de tentacules invoqués passe à 2. Les chances d'apparition des tentacules passent à 100%. On va prendre ça. Regardez mon idole Poro, elle est trop mignonne! Avec la tentacule qui dépasse. Sanctuaire au cours des frappeurs qui se déclenchent lors du prochain combat. Sanctuaire de soins.
j'en ai des... Tout est en mouvement. Connaîtront mon nom. Balancerai ton corps à la... Prenons notre sang. Voilà. J'ai des choses à enseigner. Bilgewater apprendra.
points d'amélioration. Ok. C'est ton dernier jour. Besoin d'un coup de main ? Bien. Costume de Bridgewater. Ah. Voilà.
ce matin en direction des obscurs, je me débrouille bien pour contrôler la voile, mais je pense que mes talents de navigateur laissent à désirer car je suis perdu. La brume est devenue si sombre qu'il m'est impossible d'apercevoir le rivage des îles, ni même de voir le soleil dans le ciel. Je me repose un instant pour déjeuner et écrire mon récit. À cause de cette satanée brume, je ne trouve rien à dessiner, mais je sens que je me rapproche de ma destination. Je peux entendre un étrange gémissement depuis quelques minutes maintenant. Peut-être n'est-ce que le bruit du vent qui passe à travers les récifs. J'ai baissé la voile pour ne pas me retrouver projeté contre les rochers. Je me souviens de plus en plus fort, c'est sur mon conseil. Mes pinceaux et mes toiles sont prêts, les obscurs. Attention, j'arrive! S'avérer très utile pour les combats suivants. Le repos fait également réapparaître tous les ennemis rencontrés. Allez, continuons. Ah, pitié, voilà Pike. Pitié, s'il vous plaît. Oh, si effrayé, si seul. Mais bientôt, tu seras rayé de ma liste, capitaine. Ah, trop cool. Et tu ne ressentiras plus jamais rien. Quelle liste ? Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Je ne suis même plus capitaine. Ça fait des années. Je vous en prie. Je vous en prie. Abomination, fais face à la prêtresse du Kraken si tu l'oses. Pike et Ilaoi en face. Te tuer serait amusant, mais ça ne m'apporterait rien. Ok. Il n'a pas éventré. Non. Penses-tu que je te laisse le choix ? Être déchu. Allez, c'est parti. Oh mon dieu. Oh. Le fight contre Pike. Ils font face à un apôtre de la vérité. Oh. Oh. Attention. Ulti. Oh punaise. J'adore. Pike, quand on va la voir, je sens que je vais adorer le jeu.
Kratos, souris. Ouais, il est vraiment classe. Et son ultimate, franchement. Wouh, allez, niveau 5. Nouvelle compétence, provocation. Provoque les attaques pendant 2 tours, 25% invoqué un tentacule pour qu'une unité est touchée, pas de temps de récupération. Allez. Subis l'épreuve de la mer serpent. Tu ne survivras pas à son jugement. Wow. Allez, provoque l'épreuve. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ouais. C'est impossible. Tu serais digne? Hop, et tu voilà. Es un monstre! Déesse, que cherches-tu à me montrer? Les îles obscures. Gangplank. Une plus grande épreuve. Ah, mais surtout. Mince. Oh, le teasing. Ça va être bon. Ah, c'est bon, ça. Apôtre. Déesse. Guidez-moi. Prêtresse, êtes-vous blessée? Comment a-t-il pu nous échapper? Il a les grâces de la déesse. Je ne comprends pas. Il est digne, Pike. Vous devez le savoir. Vous êtes l'apôtre de la vérité. La volonté de la mère serpent vous habite. Avez-vous besoin de repos? Pour qui me prends-tu? Retournez au village. Je vous rejoindrai. Ah, les grottes bourrues. Apôtre de la vérité, bienvenue. Doyenne, éclairez-moi. Parle, mon enfant. Qu'est-ce qui te trouble? Je cherche à purger Bilgewater d'une grande menace. Ma quête m'a mené à une créature qui propage peur et inertie. Oui, tel est ton devoir, et tu l'accomplis toujours. Mais cet éventreur des abysses, je l'ai mis à l'épreuve, et... la déesse l'a jugé digne. Étrange, en effet. C'est insensé. Il ne vit pas, et les morts-vivants sont une honte pour la déesse. Comment a-t-il pu réussir son épreuve? C'est impossible. Après tout ce temps, je ne devrais pas douter d'elle, mais j'ai l'impression de ne plus parvenir à comprendre la volonté de la déesse. Mon enfant, la volonté de la mère serpent est en toute chose. C'est en suivant ton cœur que ton destin se manifestera. Il faut rester ouvert au flux de la vie, et le bon chemin se révélera de lui-même. Mais ai-je mal interprété sa volonté? Si ce monstre est digne, ai-je mal jugé d'autres personnes? Si j'ai donné la bénédiction de la déesse au non-méritant, ce serait un blasphème. Peut-être devrais-je renoncer à mon rôle d'apôtre. Ou alors tout simplement que Pike est juste trop badass. Ne dis pas de telles bêtises. Voilà. Je t'ai enseigné les voies de Nagakaburose depuis ta tendre enfance. La volonté de la déesse est en toi. Aie confiance en toi. Mais si j'avais tort? Ma vision, la brume noire consumant toute chose, quelque chose de terrible arrive, et je ne peux pas me permettre de douter. La déesse m'a envoyé une vision, mais il me faut plus. J'ai besoin de son aide. Seule la déesse sait ce que l'avenir nous réserve. Ce n'est pas mon rôle de t'aider. Trouve ta propre voie. L'enjeu pour Bilgewater est trop grand. Vraiment, je dois être certaine de la marche à suivre, mais... j'ai tant de questions. Pose-les. C'est en cherchant la réponse à ces questions que tu trouveras la voie vers la vérité.
mais tu dois faire preuve de patience. Mais qu'est-ce que la vérité ? Doyenne. Oui, patience. Je vais méditer sur le passé et prier pour qu'une voie s'ouvre à moi. Prêtresse ! Vite ! Venez voir. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? En tout cas, tu as un dialogue très intéressant sur la philosophie Buru et sur le dieu Nagaka Buros, donc, enfin, sur la déesse Nagaka Buros, pardon. Vraiment très intéressant. C'est bien d'apprendre un peu plus de lore sur League of Legends. On est gâtés en ce moment. Ah, Brom ! Ce type est énorme ! Ça n'a pas l'air si dur. Il y a forcément un truc, c'est sûr. Oui, ça, c'est un homme. Voici Ilaoi, notre championne. L'apôtre de la vérité. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Brom, de Freljord. Freljord, tu viens de loin. Ah bah ouais, carrément. Mes hommes m'ont dit qu'ils t'avaient repêché. J'ai carrément le bout du royaume. Ils ont fait preuve d'une grande bonté. Marche avec moi. Je suis curieuse d'entendre ton histoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Une terrible maladie est apparue à Freljord. Elle a emporté la vie de nombreux enfants. Brom, c'est vraiment toi ? Oui. Et regarde, j'ai emmené un ami. Ah, c'est petit Poro ! Sois fort. C'est trop mignon. Et surtout, prends bien soin de lui en mon absence. C'est promis. Repose-toi maintenant. Et Brom te jure qu'il trouvera un remède. Je te le promets. Brom, tu promets l'impossible. Ton cœur est pur, mais la maladie se propage. Rien n'est impossible pour Brom. Rien n'est impossible. Freljord est mon foyer et ses habitants ma famille. Dis-moi, que dois-je faire ? Quand j'étais enfant, mon père m'a parlé d'un endroit nommé les îles bénies. Là, il s'y trouverait une source capable de guérir n'importe quelle maladie. Mais la brume noire est apparue. Et l'endroit se nomme désormais les îles obscures. Même pour toi, cet endroit maudit est trop dangereux. Et on ne sait pas si cette source existe. Des fois, une histoire n'est qu'une histoire. Brom reviendra avec ses peaux bénies. Ah, pense aux histoires que l'on racontera. Oui, avec son bouclier. Ah ouais. Ah, il a perdu son bouclier, donc c'est pour ça qu'il a une espèce de... d'épave là, de coque d'épave. De navire en place de bouclier là, pour l'instant. Ok. Très intéressant. Regardez, il a même des étoiles de mer sur la coque du navire. Tu t'es battu contre la brume noire. Tu es sûr ? Ah mais punaise, mais... Oui. Et je suis encore prêt à en découdre. Ils vont si bien ensemble, en fait, je suis désolé. Mais... si je retrouve un bateau. J'ai perdu mon bouclier face à la brume. C'est un objet qui m'est très précieux. Je ferai tout pour le récupérer. Ah mais punaise, c'est là. Ilaoi, nous venons en paix. Nous apportons un message du Capitaine Fortune. Eh bien, quel est ce message ? Elle demande une audience. Elle dit que la brume noire est de retour. Comment ? La brume noire, elle est de retour. Merci, Brom. Merci, Brom. Elle vous attend. Suivez-nous. Je connais le chemin. Ami, j'ai bien l'impression que le destin nous a réunis. Je suis l'apôtre de la vérité. Ce combat est donc le mien. Pourtant, ton arrivée n'est sûrement pas due au hasard.
peut-être. Mais vous mettez les deux personnages ensemble, en fait, c'est génial, quoi. Si je vous aide à combattre la brume, je pourrai en apprendre plus sur le remède que je recherche. Et je pourrai vous remercier de votre aide. Ta volonté est forte. Je ne t'en empêcherai pas. Allons rejoindre Sarah Fortune. Ah mais en fait, vous mettez ces deux personnages ensemble, ils sont faits pour s'entendre. Rome a rejoint le groupe. Rôle défense, interférence et effet bénéfique. Doté de biceps énormes et d'un cœur plus grand encore, Brome est un héros sublimé que tout Freljord admire. Il utilise son immense bouclier pour protéger ses alliés et arrêter quiconque voudrait leur faire du mal. Dans sa contrée classée, on enchante ses exploits. Mais à Bilgewater, Brome est un voyageur anonyme qui cherche un remède à la maladie qui touche son peuple. Compétence de donjon. Brome transporte un poro qui peut explorer les petites fissures et rapporter des objets qu'il y trouve. Sa compétence de donjon, heure de bouclier, inflige des dégâts et applique commotion sur les ennemis pour en plus d'engager le combat. Heure de bouclier est même capable de détruire certains murs. Aussi fort que solide, Brome est capable d'ignorer les coups des ennemis. Pendant ses incantations, Brome subit moins de dégâts. En utilisant incassable, Brome peut attirer l'attention des ennemis pour qu'il laisse ses ennemis tranquilles. Les compétences au coup étourdissant de Brome appliquent commotion sur les ennemis. Quand un effet appliqué par commotion subit des dégâts, il cumule davantage d'effets commotion. Au maximum d'effets cumulés, cet ennemi subit des dégâts et est étourdi. Donc c'est comme le passif de Brome dans le jeu en fait. Voilà. C'est un efficace moyen de train. Un transport qui traverse les joueurs et actuellement en attente. Je vais y repasser plus tard. Ok. Avec un nom et une prime. Le nom est ajouté au tableau et quiconque a fait le travail touche la prime. Si vous
aussi simple que ça. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où le nom est ajouté à ce qui est retiré qui est vraiment intéressant. Allez, direction le domaine de Miss Fortune. C'est ma marque. Est-ce que je peux zoomer un ni Aléa, une zone joker sur la joueuse d'initiative sera désélectionnée aléatoirement. Tout comme pour les faveurs et les aléas, les combattants qui se trouvent dans cette zone seront ciblés et affectés par l'effet de la zone une fois qu'elle atteint l'extrémité de la zone. Les jokers peuvent s'appliquer à tous les combattants, cela inclut vos ennemis. Heureusement, plusieurs champions comme Brown peuvent utiliser des compétences pour faire avancer ou reculer d'autres combattants sur la joueuse d'initiative, permettant de les faire entrer ou sortir de la zone joker. Ok. Je ne juge pas par la taille, seulement par la force. Bien tanké. C'est un sacré combat. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Thank you.
Shit, il a raté. J'ai encore tant à offrir. Wow. Et il y en a encore plein. Allez, boum. Ça dégage. Explorer franchement. Ah ouais, c'est immense. Hein. Ouais, elle est vraiment grande à la map de Pichouette. Ah ouais. Carte de la région affiche tous les quartiers connus et permet d'accéder aux quartiers spécifiques de chaque point de vue. Ah ouais. Eh punaise, mais regardez-moi ça. Océan qui permet de... Oh, mais elle est immense quoi. L'équipe avait les quais abattoirs, le dédale ici, les rues de la flotte, le quai du port, la grotte Bourou, et encore plus. Putain mais c'est génial. C'est vachement grand. On est franchement là pour le... J'ai pas amélioré mes compétences. Ok. Maintenant, ces compétences, Brom réduit tous les dégâts subis de 20%. Dans l'incantation, réduit les dégâts physiques subis de 6% supplémentaires. Tous les dégâts magiques. Ok. Physique. Alors, sort héroïque, applique 3 effets de commotion à chaque ennemi, puis c'est pas mal ça. On va prendre ça. Parce que vu qu'avec la commotion j'inflige des dégâts en plus, ben autant avoir rapidement des effets de commotion sur les ennemis. Ah.
elle s'étend jusqu'à l'horizon. Il faut un peu de temps pour s'y habituer, mais on peut se sentir chez soi comme partout. La demeure de Sarah Fortune se trouve en bas de cet ascenseur. Mais d'abord, allons acheter voir les frères de marché. Vous avez à peine une unité qui est en danger de quelque chose. Il est temps de vous équiper et de vous prévenir à Sarah Fortune. Garder le 72 dégâts défense physique, 17 dégâts supplémentaires, 12. Mais je suis de votre côté. Ah, bouclier. Thank you.
les renforts arrivent. Ça me réchauffe le cœur. Une belle histoire. Je sais pas quelle émotion tu peux aller en fait. Mignon, petit bourreau. J'aime beaucoup. C'est très flippant. Il est passé niveau 6, ça c'est cool. Ah, cinglement de tentacules, amélioration de panier 2. Barrière de tentacules, amélioration de panier 2. Provocation, amélioration de panier 2. Ok, j'ai un point d'amélioration. Ok, super. Il récupère un dégât PV équivalent à 30% des dégâts infligés. Si la cible est affectée par ralentissement ou scission, inflige 8 points de dégâts supplémentaires. Ah, c'est pas mal ça aussi. Et j'avoue qu'après récupérer des points de vie, c'est pas mal aussi. On va prendre ça. Par contre, il y a un truc que je voulais voir, c'est l'enchantement. Alors, oui. L'enchantement des objets permet de rajouter des effets bénéfiques spéciaux, ce qui vous donne un avantage en combat. Une fois que le reste d'enchantement est connu, elle apparaît dans cette grille. Les enchantements peuvent s'appliquer aux armes. Vous pouvez également infuser des objets afin d'augmenter leur rareté. Ok, après avoir sélectionné un enchantement ou une infusion, vous pouvez préciser quelle arme ou armure de votre inventaire si vous voulez l'appliquer. Voici les ingrédients que vous requis pour réussir les enchantements et les infusions. Lors d'un enchantement, vous pouvez modifier la quantité de chaque ingrédient utilisé afin d'en rajouter. Ok. Ah ouais, d'accord, on a plusieurs. Alors, on a soigneur, venin, puissance, brûlure, arme protectrice, vol de vie, chasseur de mages, zéphyr et arme tranchante. Ok. Tenter d'enchanter un objet avec moins d'ingrédients que nécessaire peut réussir ou rater. En cas d'échec, vous conservez l'arme ou l'armure mais perdez tous les ingrédients. D'accord, donc faut pas se louper. Vous pouvez également utiliser un surplus d'ingrédients pour garantir la réussite de l'enchantement. De fait, plus vous utilisez des ingrédients, plus la rareté d'enchantement garantie sera élevée. Ah. L'exploration vous permet de découvrir de nouvelles recettes ou infusions d'enchantement. N'hésitez pas à revenir pour renforcer votre équipe. Ok. Alors, pour les armes, ça donc on a vu pour les armes. Pour les armes, on a prospérité, apprentissage rapide. Mur de fer. Ok, protection. Ah ouais, donc là en fait on a des... voilà. Là par exemple, là j'ai 100% de chance de succès en fait avec les matériaux que j'ai. Donc il faut 4 peaux de lichen, 2 cuirs durcis, de la poussière de saphilite et des essences blanches. Donc là en fait si je peux... je peux faire un enchantement de protection et augmente toutes les défenses de 12. Ah ouais, c'est pas mal. Là par contre il me faut de la soie d'araignée en fait pour... ok, d'accord. Sanctuaire, j'ai pas les matériaux. Agilité, il manque de la neurotoxine, ok. Vigueur, vélocité, ok, d'accord. Appareil, là je peux. Augmente la valeur de hâte de 60. Ah ouais, punaise. Est-ce que j'ai des trucs? J'ai cristaux de mana commencé en puissance.
augmente la arme tranchante, par contre augmente la valeur des coups critiques de 60. Ok. Ok, d'accord. Aoi, est-ce que ton dieu met des animaux à l'épreuve? S'il met... Non. Nagakaburos ne met pas de bêtes à l'épreuve. Quel dommage. Brom connaît quelques eunuques qui en seraient dignes. Ben alors... Bon. Je pense qu'on va bientôt arriver au domaine de Miss Fortune, même en animant. Ouais. Ok, donc on est au domaine de Miss Fortune. Bah écoutez les gens, on va s'arrêter là. On va découvrir donc la suite de l'histoire donc pour la prochaine vidéo. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit pouce bleu. Voilà, ça me ferait super plaisir. À me laisser également vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez donc du jeu. Enfin, franchement, moi je le trouve vraiment excellent. En tout cas, c'est vraiment un très bon petit jeu de rôle qui est vraiment très bien mis en scène. Avec une histoire qui a l'air vraiment prenante. On n'a pas encore vu, alors on a vu donc... 4 des personnages principaux, mais on n'a pas encore vu Harry et Yasuo, donc ils vont apparaître je pense plus tard dans la suite de l'histoire. Donc on va s'arrêter là les gens, et puis ben je vous dis à très bientôt donc dans ce cas là voilà. Alors par contre c'était à 11 minutes ma dernière sauvegarde. Alors par contre, est-ce qu'il y a possibilité de sauvegarder quelque part? S'arrêter ici, on refera donc le chemin une fois. Voilà. En tout cas, bon les gens, merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la suite donc, de cette histoire. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao.